C'est l'histoire d'un gars qui a un problème. Il a une, ce qu'on appelle communément une mini-bite. C'est vraiment le truc tout petit, hein. C'est pas comme nous tous, quoi. Quand le mec, il est chez le médecin, l'autre est avec ses cheveux dans ses poils, ça va, je la vois, enfin bref. Et le mec est malheureux, il est malheureux comme tout. En plus, il habite chez sa mère à Vaurougoureux. Et il ne fait rien de sa journée, il regarde la TV, il joue au loto, et un jour, la pièce ne tombe pas toujours du même côté, le mec, il gagne le gros lot au loto. Il sort avec sa mallette pleine de fric et fait « Je vais m'acheter une bite ». Ben oui, la maison, j'ai celle de maman, la voiture, j'ai celle de maman, je vais m'acheter une bite. Et il va voir sur Internet tout ce qui se fait, il y a des trucs magnifiques, hein, en plastique, en silicone, en zinc, en marbre, en marbre, enfin bref. Et il voit une sous-rubrique « Greffe d'organes sexuels naturels qui reprennent et fonctionnent ». La grève se passe aux États-Unis. Il part, il arrive aux États-Unis. Là, il est attendu par un mec magnifique, un black, tu vois, avec un Mont Blanc dans sa poche intérieure, les petites lunettes design. Le gars, au moment où il arrive, lui fait « Welcome, sir, you are coming for the transplantation of sexual organs ?»« Je viens pour une bite, moi. » »« Yeah, okay. That's the same thing, come on, follow me. » Le mec l'amène, et là, il lui montre une petite desserte. Il ouvre, et elles sont toutes là. Et le gars fait « Oufti !» Chut, c'est beau, hein, quand c'est bien fait. Et le médecin lui fait, oh oui, là, c'est des organes sexuels, prénommés sur les jeunes hommes de 18 à 20 ans, pas de maladie, que d'accident de la voiture. Ici, les organes sexuels normaux, de 17 à 22 cm. Et là, les gros, de 23 à 33 cm. Et le gars, il fait, j'hésite, docteur. Juste une question. En blanc, vous n'avez rien.